Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve du coup pour un tout nouveau glitch en solo pour avoir du coup une tenue en damier sans codage. Du coup, vous n'allez perdre aucune tenue. En tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous pour les 25 600 abonnés. C'est juste énorme. Go Rush, du coup, les 25 700 abonnés. Donc, pour pouvoir du coup réussir la tenue en damier, vous devrez commencer par être en session sur invitation, ok, avec un mode de visée libre comme moi, ok. Et du coup, vous aurez besoin d'avoir rien d'autre. Du coup, c'est parti, let's go. Allez, hop, donc là pour commencer, on fait longtemps la flèche du bas. Et on va directement en mode histoire avec le personnage qui s'appelle Franklin. Ensuite, on va directement dans un magasin de vêtements qui s'appelle Pawn and Buys. Et après, on va directement dans les costumes. Ok, on fait la flèche de droite et on prend le costume numéro 11 qui s'appelle 3 pièces rouges côtelées. Donc, hop, on l'achète. Ensuite, on va dans le magasin de vêtements qui s'appelle Suburban. Donc hop, on s'y rend, on rentre dans le magasin et on va au niveau des pantalons de survêtement. Donc du coup, après une fois arrivé au pantalon de survêtement, on prend le numéro 3 qui s'appelle survêtement gris cendré. Donc hop, on l'achète et du coup, après on va directement dans la propriété de Franklin, dans la maison de Franklin, ok? Une fois du coup arrivé dans la maison comme moi, là on va directement dans la garde-robe de Franklin, ok. Donc hop, on s'y rend. Du coup, on fait la flèche de droite pour accéder aux vêtements. Et après, on va tout en bas et on clique sur chaussures. Et là, vous allez prendre du coup les tennis blanches, d'accord. Donc hop, on les prend. Et après, là, vous allez faire le bouton rond et vous dirigez directement vers l'aéroport de la ville, ok. Donc après une fois arrivé à l'aéroport comme moi, là on ouvre son téléphone et du coup on fait une sauvegarde rapide. Donc hop, on crée une nouvelle sauvegarde, tac, nickel, on accepte le message et c'est bon. Ensuite du coup on va au niveau de l'avion qui est en noir sur votre map, ok. Donc vous avez le petit avion noir qui est sur votre minimap. Donc hop, on se dirige vers lui. Là on monte les escaliers et on va au niveau du petit rond jaune. Donc du coup là on fait la flèche de droite pour du coup accéder à l'école de pilotage. Et du coup faudra débloquer la mission qui s'appelle parachutisme. Ok, du coup voilà la mission parachutisme très important pour pouvoir réussir le glitch. Ensuite du coup on lance la mission qui s'appelle entraînement au décollage. Donc hop, on la lance. Là vous aurez du coup un compte à rebours 3, 2, 1, go. Et à go, on fait le bouton start, ok. Donc hop, là c'est go, et du coup, boum, on fait bouton start. Ensuite, on va dans paramètres et on met le mode de visée en visée libre. Ensuite, du coup, on rejoint un mec qui est en mode de visée différent du nôtre. Donc par exemple, dans ma communauté qui s'appelle NeoGamer, là hop, on accepte le premier message et on refuse le second message. Une fois que vous avez refusé le second message, on fait directement le bouton triangle comme moi. Après, du coup, on fait deux fois le bouton PS et on rejoint le même mec que avant qui est en mode de visée différent du nôtre. Là, on va accepter le premier message et le second message, on touche pas, ok. Et du coup, là, faudra attendre que on n'entende plus la voix qui est en fond, ok. Vous aurez une petite voix qui parle en fond, du coup, dès qu'il n'y a plus de bruit, dès qu'il n'y a plus aucun son. Du coup, on fait bouton PS, après on reclique sur le jeu, ok. Après, du coup, on refait bouton PS et on reclique sur le jeu de nouveau, ok. Ensuite, là, vous allez faire le bouton rond pour refuser le message. Et directement après, on fait du coup le bouton start, ok. Donc, on fait bouton rond après bouton start. Là, du coup, si votre caméra est comme moi, du coup, là, ça a bien fonctionné. Après, du coup, on va dans en ligne. Après, on clique sur jouer à GTA Online et on clique sur session sur invitation. Ensuite, du coup, là, vous aurez un chargement dans les nuages. Et pendant votre chargement, si on voit le menu de l'école de pilotage, du coup, là, ça a bien fonctionné comme moi. Ok, donc là, vous aurez un chargement accès à GTA Online et du coup, vous allez respawn en session.
Du coup, après avoir respawn en session comme moi, là on descend et du coup on lance la mission qui s'appelle parachutisme. Ok, du coup hop, on lance la mission parachutisme. Nickel. Du coup, vous aurez un écran grisé avec du coup un compte à rebours. 3, 2, 1, go. Après, du coup, vous aurez un petit message en haut à gauche pour faire du coup le bouton carré pour sauter en parachute. Du coup, on fait le bouton carré et on saute en parachute. Donc, moi perso, moi c'est le bouton croix car moi du coup, j'ai pas les mêmes touches que vous, j'ai des touches différentes que vous. Ensuite, du coup, vous allez voir que sur votre mini-map, vous aurez un petit point qui est en jaune, ok? Du coup, faudra pas atterrir dessus, mais par contre, faudra atterrir autre part que le point en jaune, ok? Donc, par exemple, comme moi, sur l'aéroport. Du coup, ça sera marqué après échec. Donc, vous avez échoué à la mission. Donc, ensuite, on fait le bouton croix pour essayer. Vous aurez du coup un écran grisé de nouveau avec un petit compte à rebours. Après, on fait le bouton carré pour sauter en parachute. Et vous allez voir que là, boum, votre tenue en dummy a bien respawn du coup sur vous. Du coup, ça a bien fonctionné. Ok. Ensuite, du coup, là, on fonce sur le point jaune. Ok. Juste du coup, petit rappel, vous allez perdre du coup aucune tenue, ok, vu que c'est une tenue sans codage, vous allez perdre du coup aucune tenue, aucune de vos tenues sera supprimée, ok. Donc malheureusement, le seul point négatif, c'est que vous allez perdre vos cheveux du coup, faudra racheter une coupe de cheveux et c'est bon, ça sera fini, ok. Donc voilà. Maintenant du coup, on va directement se diriger vers un magasin de vêtements pour du coup enregistrer votre tenue et c'est bon, du coup ça sera fini. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner. Goroge du coup les 25 600 abonnés. En tout cas, moi du coup, je vous laisse donc sur ce gameplay, donc sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!